Bon, je ne devrais pas me tromper en disant que l'épisode sera effectivement plus court parce que c'est le dernier de ce cinquième film. Ensuite, on sera tranquille. Bon, bah du coup, on va rejoindre les Sombrales puisqu'il faut rejoindre tout de suite le ministère de la magie, en tout cas le département des mystères, pour retrouver Sirius Black à partir de cette vision qu'a eue Harry de la part de Voldemort. Cette discrétion, les Sombrales, on les a laissés comme ça en pleine rue. Ah oui, mais c'est vrai, déjà les Moldus ne voient jamais rien, mais c'est vrai qu'il n'y a que les gens qui ont vu la mort qui peuvent apercevoir les Sombrales. Et sinon, vous avez vu l'image qu'il y a des élèves dans la cabine téléphonique? On aurait dit l'affiche du film, je crois, vous savez de quoi je vais parler? On aurait dit l'affiche du film, les profs 2. Les profs 2. Enfin, le film, du coup, tiré de la BD. Il y a eu deux films sur les profs, tirés de la BD. Bien sûr, la BD qui est excellente, évidemment. Je vous conseille de la lire. Je crois que j'ai peut-être pas lu tous les albums de la BD Les Profs, mais j'en ai lu une majeure partie, notamment, je crois que c'était... c'était quoi? C'était au CDI, sûrement au collège ou au lycée, je ne sais plus. Il y avait un petit peu de tout, et moi j'adorais. Évidemment, de toute façon, quand j'allais à la médiathèque, ou à la librairie, ou même au CDI, au collège-lycée, moi, tout de suite, j'allais dans le rayon BD. C'était un petit peu obligé. Je ne lisais rien d'autre que des bandes dessinées. J'ai toujours été quelqu'un de visuel, de toute façon. J'ai toujours été quelqu'un de visuel. Et donc, voilà, moi, les livres classiques, ça ne m'intéressait pas. Moi, je voulais de l'image. Voilà, donc moi je lisais les bandes dessinées. Ah oui, il faut pas hésiter à péter ces sphères, ces boules à prophétie, ces boules de cristal. Enfin, je sais pas si elles sont faites de cristal. Hein. Mais il faut pas hésiter à les péter, mais c'est pas là, c'est pas maintenant. Mais il y a un moment où il faudra pas hésiter à les péter pour un bonus supplémentaire. Ça, je m'en souviens. Qu'est-ce que tu veux? Alors, une glace, ça devrait pas être loin, là, non? Une glace, un Esquimau. Ah bah, peut-être là, non? Non, en fait, ça, on a déjà récupéré. Où est-ce que ça peut se trouver, ici? Ah! Non, c'est pas là. Non, j'ai cru. Généralement, quand t'as un truc à exploser, c'est qu'il se trouve quelque chose. Ah, peut-être là-dedans. Voilà, on va péter les trois, bien sûr. Ah, voilà. Tu sais pas pourquoi c'est là-dedans, mais ça l'est, donc voilà, tu suis le mouvement, comme d'habitude. Et qu'est-ce que je disais? Ouais, de toute façon, des bandes dessinées sur tous les univers, il y a plein de choses. Il y a les profs, bien sûr, mais il y a aussi un truc, je crois, sur les gendarmes. Il y a les pompiers, enfin bref, il y a un peu de tout. Et ce sont des bandes dessinées franco-belges, ouais. Donc, alors belge, je ne sais pas, mais en tout cas, je sais que c'est en français, voilà. Et je suis plutôt fier qu'on ait ce genre de bande dessinée parce qu'il en fallait, voilà. Des bandes dessinées sur les pompiers, sur les profs, sur tous les métiers, il en fallait. En plus, ça traite vraiment les métiers de façon humoristique. T'as vraiment tout l'univers qui est englobé dedans et c'est vraiment cool. Franchement, à lire, c'est vraiment bien. Puis les dessins sont sympas. On reconnaît parfaitement la patte de nos auteurs de bande dessinée. Putain, ce thème. Oh, vite, on sprint. Alors ici, il faut détruire des boules à prophétie. Faut pas hésiter, parce que là, voilà, ça donne des bonus, hein, je crois.
Non, même pas. Ah, bah voyez, j'étais persuadé que ça donnait des bonus. Ah si, 1 sur 5. Voilà, ils sont là. Mais pourquoi ça m'a pas compté le premier? Je crois que j'en ai loupé un. Bah, de toute façon, là, on a tout loupé, j'ai envie de dire. Merde, ça c'est con. 2 sur 5. Oh putain, mais on a loupé tellement de trucs en fait. Oh merde, il y a des mange-morts là. Les mecs en noir, ce sont les mange-morts, évidemment, très dangereux. Alors attends, c'est quoi ça? Qu'est-ce que tu veux que j'en fasse? Tu veux que je le mette là? Ok, on va faire ça. On va faire une demi-sphère, puis une autre demi-sphère. Il y a un ah oui, mais il faut la magie noire pour ça. Donc je ne pourrais pas... Est-ce qu'on continue? Ah oui, on peut continuer la course-poursuite. Voilà, 3 sur 5, putain, je pense que j'ai loupé une sphère. 4 sur 5, oh, j'ai failli la louper, celle-là. Non, il y en a une là. En même temps, il faut pas que je me concentre sur ce genre de quête secondaire, vraiment. Et là, je vous laisse apprécier la musique qu'on va écouter, parce que là, bon, je vais me prendre un strike de YouTube. Mais la musique qu'on va écouter là, franchement, totalement épique. En plus, c'est une scène totalement reprise du film. Franchement, je vous laisse là-dessus. Totalement épique ce thème. Qu'est-ce que je l'aime. Ah, et là, en plus, le décor avec l'arcade, là, les personnages à libérer. D'ailleurs, il en reste encore un. Ouais, c'est Luna, elle se trouve là. Alors, voyons. Ah oui, mais c'est vrai, Sirius a la transformation en Animagus. En Animagus, je vais essayer quand même d'articuler. Voilà, il peut se transformer temporairement en... Enfin, en tout cas, quand il veut, il peut se transformer en loup. Ou en chien, enfin je sais pas trop. Là ça ressemble plus à un chien. Ouais, on va dire en loup parce que dans le film il ressemblait plus à un loup quand même. De toute façon c'est un petit peu la même espèce. Allez hop, je me débarrasse du dernier. Et là ça risque d'être intéressant également. La séquence qui nous attend. Voilà, parce que là on va faire un duel de baguettes. Alors attendez, c'est qui contre qui déjà? Parce que là, on a Bellatrix, pour respecter un petit peu le scénario. Il y a Bellatrix à gauche, et il y a Lucius Malfoy à droite. Je pense qu'il y a moyen... Parce qu'il y a un moment, en fait, où ils se battent tous les deux contre Lucius. Vous savez quoi? Moi, j'ai envie de prendre Sirius Black, et je vais me mettre face à Lucius. Allez, hop! Comme dans le film, parce que Sirius défend Harry des attaques de Lucius. Voilà, et la prophétie... Oh putain! Oh putain! J'ai pas fait le bouclier, mais heureusement, on peut esquiver quand même. Ah, il avait son bouclier, mais bon, j'ai réussi quand même à attaquer. Ah, parce qu'il faut le temps de trouver la bonne couleur, hein. Hop. Bon, il se protège, mais ça sert un peu à rien, hein. Voilà, parce que moi, je peux toujours attaquer. Voilà! Pour les duels de sorciers, vous voyez, c'est pas bien difficile. Huh?
Oh, j'ai Dumbledore. Ah bah oui, hein, c'est important ça. Attends, mais je bourrine sur le bouton, c'est fou. Ah et là, c'est un boss final. Hein. Là, c'est pas mal. Il y a une bonne mise en scène et tout. On est évidemment dans les décors du film. C'est impressionnant. Voilà. Et c'est quand même humoristique. Hein, la scène de mort du... Oh putain. Ah oui, d'accord, c'est un one shot. La scène de la mort de Sirius, bah dans le film évidemment qu'elle est, et puis dans les livres aussi, je devine qu'elle est complètement émouvante. Mais là, ils l'ont fait vraiment à la rigolade. Est-ce que je peux me défendre? Ah putain, ça brûle. Ah, il y a des braises. Ouais, mais attends, c'est là normalement qu'on peut tirer pour, non, tourner. On peut tourner les volants de van pour mettre de l'eau. Ah oui, d'accord, c'est maintenant en fait. On le fait. Harry de l'autre côté. Je me taisais parce qu'il y avait une musique totalement épique, c'était énorme. Oh tiens, il y a un personnage! Ah! Je le connais celui-là. Fudge du Magen Mago. Ouais, c'est le tribunal du début du film. Oh putain, on peut prendre l'eau. Oh là là. À la From Dust, le truc. On a une boule d'eau. Allez, vas-y, je te secoue dans tous les sens. Voilà. Et je te jette parce que j'ai pas de respect pour toi. Espèce de méchant. Ok, on martèle le X. Ça, on connaît de toute façon, hein, bourriner sur les boutons. C'est pas un gameplay difficile à programmer pour les Lego. Et c'est une musique du quatrième film, hein, ça, en fait. Oula! Ah oui, ça, c'est génial. En fait, je peux prendre le contrôle de Dumbledore et me déplacer. Et il a un bouclier pour empêcher les bouts de verre de nous toucher. Et Harry peut se cacher derrière. C'est vraiment totalement repris du film et ça fait plaisir. Même si évidemment c'est totalement scripté, c'est de la mise en scène de fou, mais on y est quoi. On s'y croit. Je veux dire, il a fait complètement péter les vitres sur le côté droit, c'est énorme. Alors attendez, parce que du coup je prends Harry pour reconstituer ce que les bouts de verre ont créé, ont placé au sol. Et là, pour le coup, je vais pouvoir hop l'envoyer sur Voldemort. Voilà, c'est totalement... ça le fait tout seul. Ah, t'es pas mort. Ah, il en a des cœurs. Bon, il en a des cœurs, je lui en ai retiré 6 et je me suis même pas rendu compte de ça. Vas-y, envoie autant de bouts de verre que tu veux. C'est génial. Le personnage de Dumbledore, il doit être hyper rare quand même. Alors, il est pas plus puissant que les autres. Ça n'a rien à voir. Mais bon, parce que voilà, quand on le voit, d'ailleurs, il a aucun sort alors que normalement, il devrait avoir la roue des sorts complète. Mais il n'a pas de pouvoir véritablement rare. Hein. Je veux dire, il ne contrôle même pas la magie noire, alors que les personnages qui contrôlent la magie noire, eux, peuvent bouger certains objets. Comme on a vu tout à l'heure. Hein. Enfin, tout à l'heure, ou dans l'épisode précédent, je ne sais plus. Il y avait des objets utilisables avec la magie noire. Mais bon, voilà, Dumbledore apparaîtra une skin... une skin évidemment totalement rare et puis très précieuse parce que je crois qu'elle coûte 1 million de pièces, un truc comme ça, comme tous les personnages rares dans les jeux Lego. Bah, à côté de ça, je veux dire, c'est un personnage totalement classique avec ses pouvoirs. Hein. Y a pas... Ouais, c'est dommage, c'est pour la skin qu'on les débloque en fait. Oh.
Hein? Ah, niveau terminé, il était plus court que le précédent, enfin, voilà. Donc, le retour de Voldemort, tout simplement, voilà, Fudge a la preuve maintenant, lui-même, il a vu de ses propres yeux Voldemort réapparaître devant lui. Eh ben voilà, la preuve est là. Tu pourras plus dire qu'il n'existe pas, Voldemort. Avec cette saleté d'histoire de Horcrux, oh putain, je spoil déjà. Ah non, bah, comme d'habitude, je m'adresse à des fans de Harry Potter, vous avez tous en tête l'histoire. Et donc voilà, les dernières cinématiques nous attendent, finir histoire, et on se retrouvera dans le prochain film, tout simplement, le sixième film.